Good morning, allez, Iden. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Avraham, Mordechai Ben Yisraël, Ben David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvorah Batester. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, pour contacter la 5 minutes éternelles. Nous étions à Seret Ktuvot, Perek Yud Gimel, Mishnah Aleph. Shnei Dayane Gezerot Ayub Yerushalayim Admon, Ve Hanan Ben Avi Shalom. Hanan Omer, Shnei Dvarim, Admon Omer Shiva. Mishalach Limdina Tayam Ve Ishto Tova At Mezonot. Hanan Omer, Tishava Basof, Velo Tishava Batechila. Nechleku Alav Bene Kohanim Gdolim, Vamru Tishava Batechila ou Basof. Amar Bidosa, Benar Kenos, Kedivrem. Amar Bihonan Benzaka, Yafé Amar Hanan Lo Tishava Ela Basof. Shne Dayane Gzerot. Il y avait deux juges qui ont fait des décrets. Ayub Yerushalayim, Ayerushalayim. Ayerushalayim à l'époque, je ne sais pas, Beth Amikdash, on a eu deux Dayanim qui ont fait des décrets qui ont été instaurés. Au total, ça va faire 9 décrets, parce qu'il y a eu, d'abord les deux noms, c'était Admon, un qui s'appelait Admon, et l'autre qui s'appelait Hanan ben Avi Shalom. C'était deux Dayanim, deux Tanaïm. Un, c'était Hanan Omer, Shnei Dvarim, Hanan il a enseigné deux, il a décrété deux décrets. Admon Omer Shiva, et Admon a décrété 7 décrets. D'accord? Donc en fait, on va voir dans notre chapitre 9 décrets au total, 7 des Takanot, 2 qui ont été faits par Hanan, par Admon, et 7 qui ont été faits par le contraire. 2 par Hanan et 7 par Admon. D'accord? Tout d'abord, le premier. Mi she'alach limdinat hayam ve'ishto tova'at mezonot. Celui, un homme qui est parti à l'étranger, Vishto tovat mezonot et sa femme réclame à manger. Soit le mari il est parti en route de la rette, il est parti tenter sa chance, ça part à ça. Maintenant, on ne va pas oublier, le mari a le devoir de nourrir sa femme. Et il part. Et puis la femme, elle vient en bedine, elle dit il est parti, mais il m'a pas laissé de visa, il m'a pas laissé de cash, avec quoi je vais manger. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire une saisie des biens du mari pour nourrir la femme. D'accord? Et la question, elle est de savoir maintenant, peut-être qu'en réalité, le mari le donne à manger, et qu'elle va, elle va s'acheter des beaux bijoux et des vêtements avec l'argent que le mari qu'elle a laissé, et puis il lui dit, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Donc en théorie, il faudrait la faire jurer, comme ça, en théorie. Et bien malgré tout, Hanan, il a dit pas du tout. Tishava basof velo tishava batrila. Hanan nous dit qu'elle devra jurer à la fin et pas au début. La question c'est de savoir c'est quoi la fin, c'est quoi le début. Et tandis que Nechleku Alav Bnei Kohanim Gdolim, les enfants des Kohanim Gdolim qui étaient là-bas, un groupe aussi de juifs qui étaient à Yerushalayim, ils disaient là-bas non, Tishava Batrila, ou Bassof, elle devra jurer au début et à la fin. Alors c'est quoi le début, c'est quoi la fin? Le Bar Tenura nous rapporte, la femme, vous vous rappelez comment ça se passe? Il y a. Et il y a deux étapes. La femme, d'abord, tant qu'elle est mariée avec son mari, elle doit recevoir les maisonnotes du mari. Puis après, si le mari meurt, ou si le mari disparaît de la circulation, ou il divorce même, il devra en plus de ça lui donner même la ktouva, ce qu'on a déjà rapporté plein de fois, les fameux 200 000 qu'on a établi, que c'est venu les 200 000 qu'il doit lui donner. D'accord? Maintenant, on a Trila et on a Sof. Trila, c'est quand elle mange, et Sof, c'est quand finalement, on entend que le mari, il est mort. Soit, la femme, le mari, il a disparu de la circulation. Alors, précision super importante, on va apporter dans le Bar Tenura, mais à la fin, dans le dernier, il va nous l'expliquer. On va mettre Trila avec Hanan Ben Zakkai, qu'on n'a pas encore vu pour le moment. Il nous dit, le Bar Tenura, ça se passe comme ça. Quelqu'un qui part à l'étranger, 3 mois, la femme, elle ne peut rien réclamer, parce qu'un homme, il ne part pas en laissant la maison vide. Ouais, on a toujours quelque chose de quoi manger, on ne sait pas qu'il est parti sans laisser. On ne va pas le croire. Mais si après 3 mois, maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu, il n'était pas parti pour une durée limitée. Là, il devait partir faire fortune en temps. Il ne revient toujours pas. La femme, pendant ce temps, elle commence à... Ça y est, combien on peut tirer sur les fonds de caisse et essayer de tant bien que mal tenir la route. Elle a envie de manger, la pauvre. Le mari, il était imposé. Après 3 mois, on va lui dire, alors, selon Admon, on va lui dire, tu sais quoi, on va te donner à manger. On va établir, selon son niveau de rang social, on va lui dire, ben, tu prendras, on va te prendre des biens du mari, et tu prendras ton étang par semaine, sans jurer. Si toutefois, après 2 ans, 3 ans, on apprend que le mari, en réalité, était mort, le pauvre, donc maintenant,
La femme, elle se dit, ben, il est mort, je veux récupérer maintenant Maktouba. Alors là, elle devra jurer que elle devra jurer que le mari, en réalité, elle devra jurer tout d'abord que le mari, avant de partir, il n'avait rien laissé. Seulement là, on lui dira, il n'avait rien laissé pour se nourrir et maintenant pour pouvoir récupérer aussi cette Maktouba. D'accord? Tandis que les Bnei Kohanim Gedolim, ils lui disent, non, pas comme ça. Il nous dit, même quand elle va venir prendre, on va lui dire, écoute-moi, d'abord, s'il te plaît, tu viens, on va t'amener à la Beth Knesset, là-bas, au Bedin, on va lui sortir un Sefer Torah, elle va prendre, ah non, je vois des rabbins, je ne sais pas si c'est avec Sefer Torah ou pas, je ne sais pas, je retire. On va la faire jurer que peut-être que le mari, il lui a laissé, il s'est soucié de lui laisser de l'argent, donc on va la faire jurer depuis tout de suite. Selon la demande, on ne la fait pas jurer parce que, on ne fait pas jurer quelqu'un qui a faim, qui a un droit de récupérer de quoi manger. Imaginez qu'elle ne veut pas jurer ou quoi que ce soit, on ne va pas la faire mourir de faim pour le moment. Quand on apprendra que le mari est réellement mort, et c'est pour ça qu'en fait il est parvenu, alors on la fera jurer rétroactivement pour récupérer tout le capital en dedans, et aussi pour justifier qu'elle avait le droit de manger. Ok? Donc ça c'est la marloquette entre Admon, entre Hanan et les Bnei Kohanim Gedolim. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas, qui dit vrai, Rabbi Dosa ben Arkinas, il a aussi enseigné la halakha, il pensait comme Kedivrem, comme les enfants des Kohanim Gedolim, qu'elle devra jurer depuis le début, tandis que Amar Rabbi Hanan ben Zakkai, Rabbi Hanan ben Zakkai, qui était le Tana Mamash à l'époque du Korban du Beth Amidash, eh bien il leur a dit là-bas, il a fait Amar Hanan, non, je justifie le décret de Hanan, mais l'otishava et la basof, la femme ne jurera que à la fin, on lui imposera de jurer rétroactivement, mais pour le moment, tant qu'il s'agit juste de se nourrir, alors on lui donnera à manger sans la faire jurer, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Sarah.